Y'a tout le monde c'est Alexis. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 17 euh, Donc le mode mon joueur, je vais rapprocher un peu le micro euh, Le mode mon joueur que nous allons continuer tout simplement euh, Donc voilà en tant que receveur, donc, euh, on est à 4-4, c'est pas un bilan de ouf mais On a de la chance d'avoir une division euh, qui pue la merde hein. On aurait pu espérer une bonne saison des Cards et, des... et de Seattle Malheureusement ce n'est pas le cas, quoi malheureusement Bien heureusement plutôt <laughs> Et nous du coup avec 4-4 on arrive à être premier ce 4-4 qui n'est pas un bilan. Euh, extrêmement bon euh, donc je rappelle toujours qu'on n'a pas énormément encore de temps de jeu euh, on commence à en avoir de plus en plus donc ce que je vais faire on a 1000 points d'XP je ne savais pas euh, alors dorénavant vous n'aurez plus les trainings en fait les trainings je vais les faire à part euh, voilà ça, ça, ça nique un peu de temps de vidéo je trouve et voilà on m'a demandé on, il y en a pas mal de gens qui m'ont demandé à ce que je mette plus du match ça veut dire quand il y a des actions où je ne joue pas euh, que je, je je mette en fait les, les actions, ok. Donc, après avoir fini le training, donc on a 1800 points. J'ai eu l'argent. Euh, on va directement enchaîner sur un match. Je vais pas m'augmenter tout de suite. On essaiera de s'augmenter après, après ce match ou alors euh, à la suite du prochain entraînement. Et du coup, on joue contre, contre les Jets qui, je le répète, sont dans une saison euh, euh, difficile avec. Euh, 4 QB cette saison euh, Fitzpatrick qui fait une saison mais absolument euh, dégueulasse on a rarement vu ça et, euh, et voilà les Jets qui sont euh, qui sont un peu en difficulté mais pas dans Madden dans Madden ça va ils sont à 7-2 euh, voilà ils sont chauds ils sont terres Madden c'est différent faut que tant mieux pour eux j'ai envie de dire hein. nous on est à 4-4 bon on est censé avoir une meilleure équipe globalement après bon ils ont ils ont ils ont des Brandon Marshall quand même ce genre de joueurs euh, Assez chaud, on va dire. Oh là là. Ok, c'est <coughs> parti pour ce match contre les Jets. Bon, on va essayer de, bon, on va essayer de gagner. Hein. Il faut qu'on gagne sans déconner, parce que sinon ça va pas trop le faire. Ok, alors tac. Donc bien sûr, comme d'habitude, si on ne joue pas, on met en fast. Et bien sûr, on va normalement rentrer, j'espère. Bon, ça, on rentre, on rentre dans le premier carton, donc déjà, c'est pas mal. Euh... Ok, oh putain je déteste ce tracé de merde Impossible à faire On n'aura pas la balle Mais ça va être catché pour un bon gain Je crois qu'on va même avoir le first down Ouais c'est ça Et on va avoir une, un mauvais lancer de Jared Goff Donc on, on aura comme statistique un plaquage Généralement c'est pas très bon mais Je sais pas ce qu'il a lancé je, je, je sais pas Bon il y a 7-3, à l'heure actuelle il y a, a 7-3 On a toujours un fait dans ce match hein on va essayer de. On va essayer de faire un, un petit big play quand même. Ce serait cool. Pourquoi pas un petit TD. Il reste 2 minutes 20. Pour l'instant je fais des tracés mais je catch pas de ballon. Hop. Ouais, nice. Ah je peux le temps d'appuyer sur Twangle. Ok, on aura une autre petite catch. Je... Bon, mon objectif c'est au moins un catch par match. Allez, une 42 à jouer avant la mi-temps. Et ça avance encore. Ok. Bon, deuxième catch du match. Ok ça fait une petite passe On va être en troisième 3 et 5 Tout ce qu'il y a de plus simple à faire Il suffit juste de longer la ligne Et ne me dites pas que ce lancer était pour moi je vais le tuer Par contre Ouais yes On va être du côté euh... Du côté de la île On va essayer de la capter C'est lancé beaucoup trop tôt Putain j'ai cru que j'avais catché Ok donc là, on a une formation, je suis pas sur le terrain Ça va être une petite course de Gurley Allez ouais, c'est ça Gurley, c'est ça Gurley Ah non, on prend plus extérieur. Il aurait dû longer encore un peu plus extérieur. Il fait un bon match là, euh, 49 yards pour, euh, pour on se porter, Il croise le terrain Je sais pas si c'était pour moi Putain je l'ai pas gâché J'ai oublié d'appuyer sur X je crois qu'elle était pour la comeback mais je vais voler. Putain j'arrive, j'arrive pas à faire les angles de tracé, ça me saoule. Bon du coup on va se dégager 4ème et 10. Et on va mettre un safety. On a mis un safety, ok, pourquoi pas. Et du coup on mène 12 à 3. Mais qu'est-ce qu'il fout Mais il est pas sérieux. Non, les lancers de gosse sont pourris, mais c'est un... Oh putain, ça me rend ouf. C'est en train de me rendre On va perdre à cause de lui, là. Putain, il y a que deux points d'avance. C'est chaud, là. J'ai vraiment peur qu'on se rattrape. rattrapé Ok, bon. Je joue pas. J'ai pris une formation où je jouais pas. Très bien, c'est une chose qui arrive. Tayden. Putain, c'est lancé son pourri. Oh, comment je l'ai mal fait, le tracé. Comment je l'ai fait dégueulasse mon tracé. Ok. Bon, j'aurais pas fait le match de ma vie, hein, ça c'est clair. Et, euh... Et Jared Goff non plus. Ok, c'est la fin du match. Bon, ils ont réussi à tenir la défense, tout ça, les titulaires. Ils ont réussi à venir, à tenir. Du coup, 12-10, bon, c'est pas un gros match. On a fait deux petits catchs, on a dû faire 20-30 yards. Euh, bon, c'est déjà ça de prix. Ça nous donnait déjà un peu d'XP. Ouais, Peut-être même pas 100. <laughs> Mais bon, c'est déjà ça de prix. Et euh, on va essayer de s'améliorer pour le prochain match. Le, le mieux, ce serait vraiment pour faire un match complet c'est la, la place de deuxième receveur. Bon ok les gens je viens de faire le training euh, on est à 2600 donc on va pouvoir, on va pouvoir dépenser un peu euh, donc 76 overroll toujours euh, L'agilité, tout ça on n'a pas trop besoin Le catching 84 on est relativement bien catching traffic 80 on commence à être bien aussi route running 85 c'est vraiment pas mal euh, Le release on va monter on va se monter à 80 Voilà histoire de euh, Le spectacular catch On est vraiment mauvais et il y a le jumping qui sera augmenté mais pour l'instant bah on gagne vraiment euh, pas assez pour, pour pouvoir augmenter le jumping. Euh, le carrying ça s'augmente aussi. Après c'est pas le plus... En fait tout ce qui est là, là c'est pas les plus importants mais il faudra les augmenter aussi. Tout ce qui est spin move, jump move, tout ça. Qu'on puisse, euh, qu puisse faire des moves vers la fin. Et surtout faire des returns. Si jamais on veut. Et, euh, et voilà, si on veut s'augmenter en fait le mieux. Donc on va se mettre 2 points de warness. Et il nous reste 1100, on va se mettre du catch in traffic je pense. Du catch in traffic, hop. Donc on a toujours pas augmenté, c'est un peu chiant. Mais bon. C'est la vie. Euh, du coup on va jouer contre les contre les dolphins. On espère faire un meilleur match que, que le précédent. Où d'une on a presque pas joué et on aura fait deux petits catch quoi. C'est vraiment pas la mer à boire. Ok, on est parti pour euh, ce début de match. Ou euh, que va-t-il se passer On va juste augmenter comme d'hab en fast. Voilà. Et du coup, on va rentrer dès le début. C'est cool ça. On va essayer de voilà une petite mèche. Alors ouais. Par contre, cette formation, je ne joue pas. Alors, voyons voir que vont-ils faire. Ok, c'est pas mal. Petite passe sur Austin. On va être en troisième et quelques. Et on aura une petite corner à jouer. Oh, j'étais libre. Pitié qu'il prenne le first. Non, il prendra pas le first. J'ai envie de la jouer. On va se dépêcher comme ça. Et on va, on va essayer une petite tasse euh, toast crack comme ça. Alors j'espère que Gurley va pas faire le con. Et voilà, ça a été très bien bloqué. Yes! Yes! Allez, allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout mon Gurley. Ouais, ça devrait aller au bout sans trop de problème. Quoique, quoique, quoique. Non, c'est bon. Nickel, la voilà. quatrième qui passe, les gens, c'est nickel ça. On aura on, on, on aura fait un très bon bloc. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais notre, notre bloc sur le, sur le left tackle était parfait. Ça a permis à, à Gurley de faire juste une ligne droite au final. Pour pouvoir se qualifier au playoff. Et les playoffs pour la première saison, ce sera vraiment un bon objectif. En plus, je, je le répète, hein, comme on a commencé à... Euh, Drafté en fin de tour, c'est nous qui l'ont choisi. Euh, bah c'est vachement plus dur de, 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 de performer la dès, dès la première saison. Faut, faut d'abord voilà, prendre des quelques reps, euh, euh, s'augmenter par les, les entraînements, et ensuite on pourra vraiment être un joueur très performant, titulaire euh, indiscutable. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On a cherché la difficulté, quoi. C'est tout. Ah, on se rappelle pas libre. On a presque été intercepté par Cameron Win... Way qui avait laissé traîner sa main. Nice super. Super super passe de, de Jared de Goff. Euh, je m'attendais vraiment pas à la voir. Ok, la petite motion. De Cooper. Jared Goff qui cherche. Qui va trouver Agby, qui va sortir en touche. 1 yard. Ah super super ça, bonne lecture de la part de, de, de Goff J'aurais bien voulu qu'il me la fasse en un contre là C'est bien dommage Il commence à m'énerver Allez sort, sort en touche, sort en touche Ok il est pas sorti On va prendre notre petit temps mort Et un nouveau field goal est mis 16-0, ça fait mal pour Miami là, qui prennent assez cher, ça arrive pas à avancer en attaque. Allons essayer de faire un parfait bloc pour, euh, pour Todd Gurley. Voilà, super, il va gagner plus de yards sur cette course. Ok, c'est lancé côté droit. Troisième essai. Il ose pas trop aller dans le fond, j'ai l'impression, euh, Goff. Il fait, il, il fait son rookie, quoi. Eh putain, mais il est sérieux. Et le pire, c'est qu'on va se prendre un TD, je crois. Putain de merde, j'en peux plus de s'occuper. J'en peux plus de s'occuper, mais je vais me le faire, je vais me le faire, il pue la merde. Moi. <laughs> il nomme il était meilleur. Regardez-moi ça, putain de merde. Non, mais sans déconner. Il respecte rien, il respecte rien. Voilà. Voilà, Qu'est-ce que j'ai Ok, une drague. Ces toiles se font défoncer par les Eagles. Ok, on va essayer de la jouer vite. Euh, avec une petite. Ouais, ça, ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. J'espère que c'est pas de la manne. Qui me suive pas. Je suis tout seul. Ok, nickel. Nickel c'est bien ça Ok on est déjà à 3 réceptions Allez allez girly Fais nous le taf s'il te plaît Ok je vais avoir une drague là dessus Je sais même pas si c'était pour moi ou pour lui Bon c'est pas grave tant, tant mieux il a, il a catché Ah mais non mais non attendez on a 10 points On a 10 points d'avance on est au calme Avec 4 minutes Bon ça, bon, ça va être la victoire normalement ça devrait être la victoire. Oulala. Là là. Alors attention. Parce qu'ils ont marqué. Ils sont à 3 points de nous. Ils vont tenter l'inside kick. Normalement, si on, le, si on le recouvre, ça devrait être bon. Ok, c'est recouvert. Par Robinson. Par un all line Et du coup 18-15. Allez, ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance encore. Et c'est la fin du match. Bon, on a gagné 18-15. Une nouvelle fois, pas un gros match de notre part. On n'a pas eu trop de rep. Regardez le match de Goff. Voilà. C'est hein, ça qu'il qu faut regarder. Seulement 176 yards. Deux interceptions, 0 TD. Hein. Euh, voilà. C'est une merde. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Dans prochaine, je change de. <laughs> je change d'équipe. C'est sûr et certain. Euh, ok. On va finir le match. Et puis on va se quitter. Euh, Là-dessus, normalement, les gens. On devrait se quitter. Euh, donc on sera en week... Euh, on est en week 11. On, attendez, on a commencé en week 10, je crois. On a fait week 10 ou week, week 11. Ok. En gros, il ne nous restera plus que 6 matchs. 6 matchs avant, euh, avant les playoffs. Euh, on a que 161 d'XP. Euh, donc là, on est en week 11. Et ça, on va passer en week 12. Donc, euh, ouais. Et on est premier avec 6-4. Avec 2 euh, victoires d'avance sur, euh, sur les 14 Et ça, c'est bien cool. Euh, ok. Bon, bah, les gens. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Willie always ready. Willie Mo always ready. Willie Mo always ready. Willie Mo always ready. 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 Mo City, man.